Bonjour à tous, je suis Patrice Malta de l'Union populaire républicaine. Aujourd'hui, une vidéo sur la tromperie politique la plus répandue en France depuis 1979. Cette tromperie, cette impasse, je l'appelle l'arnaque de l'autre Europe. Bien qu'apparu pour la première fois il y a presque 40 ans, ce tour de passe-passe grossier reste quasiment inconnu des Français et il fonctionne toujours aussi bien, c'est-à-dire que de nombreux électeurs français tombent dans le panneau à chaque fois qu'un projet pour la France doit être présenté par les candidats, que ces candidats soient de droite, du centre ou de gauche. Comment cela se passe-t-il étant parfaitement conscient que la France va très mal dans tous les domaines et que les choses s'aggravent toujours, même lorsqu'il y a un changement de président de la République en France, on l'a vu avec Sarkozy, avec Hollande et on le voit avec Macron en ce moment. Étant d'autre part parfaitement conscient que nombre de ces problèmes proviennent directement de notre appartenance à l'Union européenne, Étant de plus parfaitement conscient que les citoyens commencent évidemment à avoir la puce à l'oreille en ce qui concerne l'influence délétère de cette institution non élue et qui n'obéit à personne sauf au lobby, les dirigeants des partis politiques, les candidats en lice, prennent une tangente. Ils proposent de changer l'Europe. Notez qu'ils ne proposent pas d'en sortir. Hein. Et la raison de cela, c'est qu'ils sont tous euro-atlantistes, c'est-à-dire favorables à l'Union européenne et favorables à la domination des États-Unis sur l'Europe. Comme les médias de masse sont tous euro-atlantistes également. En effet, en France, il est interdit de proposer la sortie de l'Union européenne et de l'euro sous peine d'être amalgamé au Front national et d'être censuré totalement par les médias de grande diffusion. Souvenez-vous, il était même interdit d'en parler jusqu'au référendum sur le Brexit. Et ceci, quel que soit le bilan catastrophique et les conséquences gravissimes, de l'appartenance à cette zone de libre-échange ultralibérale. Le saviez-vous L'aviez-vous remarqué Seule l'Union populaire républicaine ne propose jamais une autre Europe. Ce parti politique ne propose jamais de changer la construction européenne. Il propose d'en sortir, ce qui est très différent. Pour comprendre, ce qui suit, il faut d'abord comprendre que les traités de l'Union européenne, qui sont souvent perçus comme ayant une importance moindre que nos lois et notre Constitution, sont en réalité au-dessus de nos lois. Ils imposent aux pays membres un système politique et des règles très précises on peut vérifier que le droit européen s'impose aux états membres, par exemple par l'arrêt Costa contre Enel du 15 juillet 1964, par l'arrêt Nicolo du 20 octobre 1969, ainsi que par la déclaration 17 relative à la primauté, annexée à l'acte final du traité de Lisbonne. Ce sont donc les traités qui, ont force de loi, dans les pays membres de l'Union européenne. Changer l'Union européenne, comme le proposent tous les partis politiques sauf l'UPR, signifie changer les traités qui en sont la structure juridique. Or, la construction européenne est conçue pour être auto-bloquante. D'ailleurs, l'article 48 du traité de l'Union européenne impose l'unanimité des États membres, pour changer quoi que ce soit à un traité. Mais l'unanimité étant mathématiquement impossible, il est également impossible de changer les traités de l'Union européenne. Tous les partis qui vous proposent une autre Europe vous trompent. Ceux qui veulent réorienter l'Europe, ceux qui veulent une Europe des nations, ceux qui veulent une Europe des peuples, ceux qui veulent une Europe écologique, ou une Europe verte, ou encore ceux qui veulent une Europe qui marche enfin, etc., tous ceux qui laissent entendre que la France pourrait imposer aux autres pays membres sa vision de l'Union européenne, vous trompent également. Un élément peu connu, et pourtant d'une importance capitale, est le jeu de l'Allemagne. On nous dit en France que la France et l'Allemagne constituent ensemble la colonne vertébrale de l'Union européenne. Rien n'est plus faux. L'Allemagne a conclu un accord de partenariat privilégié avec les États-Unis. Il s'agit de l'alliance germano-américaine. Pour le 21e siècle, ratifié le 27 février 2004 entre l'Allemagne et les États-Unis. Cet accord est la concrétisation d'une coopération de longue durée entre les deux pays, car on peut déjà en lire les bases, c'est-à-dire les intentions réelles de l'Allemagne, dans le préambule du traité de l'Élysée que l'Allemagne a rajouté au texte initial de ce traité le 15 juin 1963. En effet, dès 1963, ce préambule a insisté sur petit a, la subordination de la construction européenne à l'intégration militaire atlantique, c'est-à-dire à, à l'OTAN, Petit b, la coopération obligatoire avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, en 1963 déjà. Dès lors que le pays économiquement le plus puissant d'Europe, l'Allemagne, reconnaît la prééminence des volontés états-uniennes sur le futur de l'Europe, toute évolution de l'Union européenne vers plus d'indépendance des États membres est impossible. Cet accord ruine par conséquent toute possibilité de modifier la construction européenne. Donc, les partis politiques français, sauf l'UPR, je le rappelle, disent tous qu'ils vont changer l'Europe, on comprend. Mais avec qui Puisque l'Allemagne a clairement choisi la voie de l'alliance avec les États-Unis et qu'elle milite ouvertement pour que la construction européenne soit et reste sous domination américaine. Avec qui Alors souvenez-vous toujours... Seul l'UPR ne propose jamais l'arnaque de l'autre Europe, car c'est une arnaque, jamais, jamais. Tous les autres nous mentent et nous trompent en nous attirant intentionnellement dans cette impasse. Pour comprendre enfin ce qui se passe en France et dans l'Union européenne, je vous invite à retrouver les analyses détaillées et précisément sourcées de l'UPR et de François Asselineau, son président ainsi que le programme complet de l'UPR sur le site upr.fr, le site de partis politiques le plus consulté de France. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.